Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Smile X3 Escape from Prison. C'est le premier jeu d'horreur que je vous présente sur la chaîne. Il est sorti du coup là sur iOS, il n'est pas encore sur Android malheureusement. Le pitch du jeu en gros, c'est de s'échapper d'une méchante organisation et un peu de les combattre et tout dans un délire d'horreur. Première fois que je joue en plus de ça à un jeu d'horreur sur mobile et en plus que je vous le présente sur la chaîne. Explorer, boss, can see you, low quality, tutoriel, show info. On va se mettre la qualité au max hein. On va se mettre la qualité au max. Par contre j'ai cliqué sur tuto, je pense qu'on va se taper le tuto, voir s'il est rapide ou pas. Oh c'est en français, trop bien. Trop bien. Ok, il y avait un panneau. Mission numéro 1, s'échapper de la prison. Aïe. Eh en vrai on va quitter le tuto non? Est-ce qu'on joue pas un peu ballsy? On quitte le tuto carrément. On va quitter le tuto. Mission numéro 1, s'échapper de la prison. Ah faut que je bouge la caméra comme ça. Ok. Alors, Good Citizen Manual. Souris, travaille en silence. Un bon travailleur ne s'énerve pas. Et travaille. Ok, je me déplace avec ça. Voilà, la sensibilité elle est incroyable. Je peux. Ah ça c'est moi, je peux mettre accroupi. Ok, donc là en gros faut que j'arrive à me barrer d'ici. Compléter, s'échapper de la cellule. Ah je pense que je peux regarder une pub pour passer, c'est ça le délire. Ok, donc je peux mettre accroupi. Ah, il y a un truc là-haut. Je peux sauter ou pas? Non, je peux pas sauter. Couper les câbles. Comment je les coupe? Ah juste je clique dessus, le succès est au rendez-vous. Ouais, bon, pas. Et alors, il y a du français, mais la traduction, c'est pas incroyable. Attention pour la fenêtre et traverse la cellule suivante. De là, tu as une perspective différente. Je passe par où, gros? Attends. Passe par la fenêtre. Peut-être que tu peux même ouvrir la porte de la cellule, qui sait. Alors, non, je veux pas. Ou je peux? Ouah, c'est un jeu. Attends, il sert à quoi le truc en haut là? Clé de la couture, il n'y a plus d'article nécessaire dans ce wagon. Ok, il y a du français, mais c'est pas ça. Il y a du français, mais c'est pas ça. Attends, look sensibility, je vais la baisser. Comment je quitte ça là? Résumé, hop. Alors attends, ça m'a dit que je pouvais me barrer, utiliser la fenêtre principale, je sais pas quoi. Comment je fais? On est bloqué dès le début. Ouais, c'est le genre de jeu mobile où t'as des pubs tout le temps. Ah, en plus, ça m'a mis une pub pour rien qui se passe. Oh, le délire. Je me suis fait avoir. Je suis accroupi, je peux même pas me relever. Ah, si, c'est bon. Ok, je peux toujours rien faire avec ça. Ça, je peux toujours rien faire. Je peux juste m'accroupir. Je vais vraiment pas passer là. Là non plus. Y'a pas un endroit par hasard sur l'écran où ça peut sauter ou. Ou je sais pas. Non. Ok. Ah, mais je peux passer derrière ça. Ah, d'accord. Je peux aller dans une autre chambre. Ok. Attends, comment je sais c'est laquelle la mienne? Ok, ça devait être la mienne. Et là, je peux me barrer et revenir ici. Ah, et là, il y a un lit double. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec le lit double? Rien. Ah, petite cinématique, système de piratage. Alors, moi, je pensais que le jeu était bien à la base, hein, mais... Ça a l'air un peu ambigu. Fais attention quand tu pirates un système, souviens-toi que ton corps est visible, ne te fais pas prendre. Ouais, ok. Et comment je pirate le système là? J'appuie dessus? D'accord. Ok, bah non. Bah non, apparemment. Non mais attendez. Ok, alors, j'ai la caméra. Qu'est-ce que je fais avec? Non mais là en fait je me... En vrai, je peux peut-être hacker une autre caméra? Non. Je
pas l'impression. Mais attends, mais qu'est-ce que je peux y trouver? Parce que là, il y a un truc avec un cadenas. Mais je peux absolument rien faire avec ça, on est d'accord. Système de piratage. Oui, mais j'appuie frérot, mais ça n'appuie pas en fait. Je vais peut-être faire autre chose, non? Non, il y a un truc à faire avec ça, mais je n'en ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être que j'appuie sur un des bons points au bon moment, au bon endroit? Pas du tout. Il est bizarre. Bizarre. On va revenir là. Est-ce que je peux me rebarrer dans ma chambre? Et... Ah mais... Il y a tout qui était cassé. Ok. Genre le mur a juste explosé d'un coup. Ok, va falloir probablement que j'aille de l'autre côté. Il y a que ma chambre où ça a pété comme... Ah mais attends, mais genre c'est pas grillé là. T'es en train de me dire que là c'est pas grillé du tout. Il y a le mur qui a pété. Il y a quelqu'un là-dedans, non? Non, il y a personne. Il est parti pour ce qu'il a fait cet enfant. Ah, je vais m'accroupir à mon avis. Passer discrètement. Yes. Il voit pas mon gros crâne passer. Oh, la caméra là-haut. Et la caméra, elle voit rien. La caméra ne voit absolument rien. C'est génial. Et là, est-ce que... Ah, mais j'aurais peut-être pu viser la caméra. Un système de piratage. Alors, une fois qu'on a contrôlé la caméra... Est-ce que j'ai accès à des trucs? Ok, là, il y a toujours un... Ok, plateforme activée. Mais plateforme activée, elle est activée où? Quoi? Qui? Comment? Attends, je vais me barrer du truc, là, de la caméra. Il y a peut-être un truc qui s'est débloqué. Non. Non. Faudrait que... Attendez, je repirate la caméra. Mais je peux plus y accéder. Ok. Si je peux aller là-dedans. Je peux aller là-dedans, yes. Enter the prisoner's name. Ok, c'est pas ça que je voulais mettre, mais tranquille. Il n'y avait pas le truc qui s'activait. On va ouvrir les casiers. Ok, vas-y, ferme les casiers. Celui-là aussi. On va ouvrir ceux du bas. Pour l'instant... Ah, il y a une clé. Clé de l'étage, ok. Le truc, c'est que c'est pas du tout mon genre de jeu. Et ça m'a l'air assez bizarrement foutu, hein. Ok, non, mais je suis idiot aussi. Il y a un problème, c'est que je suis idiot, ouais. Clé de l'étage 1. Du coup, la sortie, elle est de l'autre côté. Faut que je repasse accroupi. Elle était où, la caméra? Elle était là, non? Je crois qu'elle était là. On va passer accroupi là. Normalement, après, c'est bon. Je vais m'en mettre debout. Je pense. Pas mal. Bah, ouais, nickel. Non, c'était la bonne porte, du coup. Est-ce que je peux rejeter les clés? Kena drop des items here. Ok, toujours pas. Non, on va ramasser la clé. Et du coup, si c'est pas là la sortie... Attends, il y a un truc là, non? Non, c'est juste un câble. C'est juste un câble. C'est que c'est là-bas, non? Étage numéro 1. Je sais pas du tout que je peux mettre la clé, en fait. C'est ça, le problème. Elle était où, la cam? Elle était là? En vrai, elle me pose pas problème, j'ai l'impression, hein. Celle-là, je peux toujours pas la recontrôler. Je sais pas si c'est normal ou pas. Ok, là c'est une cellule, je peux pas m'en servir. Et j'ai vraiment rien pour mettre la clé en fait. Coucou. Peut-être que j'appuie là-dessus. Mais ça, je peux toujours rien faire avec en fait. Autant l'autre, j'y ai eu accès. Autant ça, je ne peux rien faire avec. Je dois devoir, à mon avis, débloquer un truc. Pour me servir de ça. Ah, mais attends, mais il n'y a pas un escalier là qui monte?
Il y a un escalier là, je peux pas mettre la clé là-dedans. C'est pas une porte ça? Mais si ça c'est une porte, nécessite la clé, nickel. Ok ok, tais-toi. Faut que je hack la caméra là aussi. Ok. Ah si j'y ai accès, c'est bon. Ah non, j'y ai pas accès. Ok. Tiens, j'aurais dû écouter la petite voix, peut-être qu'elle disait des trucs intéressants. Je vais me barrer par là. J'ai ouvert ça, mais ça me sert à rien. Y a pas un bouton, un truc qui s'allume? Y a rien. Alors, j'ai accès à rien du tout. Oh, casse-tête ce jeu! Mais... je peux pas sauter, je peux vraiment rien faire là-haut. Mais au pire, il faudrait que la caméra me voie, non? Je peux pas interagir avec. Ah si, c'est bon, système de piratage, ok. Plateforme activée. Ok, ça a dû débloquer un truc sous moi, je pense. Je suis où? Je suis là, nickel, là on peut passer. Ok, faut que j'active cette caméra aussi, mais il y a un fauteuil, donc je ne peux pas, c'est bon. Faut que j'aille là. Plateforme activée, ok. Nickel. Hop. Alors on va essayer de le retenir. Ok, tais-toi. Par contre, le mec me voit sorti comme ça et il se dit pas, je vais tenter un truc. Ok, je peux pas l'activer. Y a rien d'autre que je peux activer? Parce qu'il veut pas que je l'active. Ou alors ça l'a déjà fait. Le jeu il est bizarre. Là les caméras ne me voient pas en fait. Ok, SM de piratage, je peux pas l'activer à la main. Je suis obligé de passer par la caméra à chaque fois. Oui, parce que là la caméra me voit pas en fait. La caméra ne me voit absolument pas. Ah, je peux me téléporter de caméra en caméra. D'accord, ok. Ok, ok. Peut-être me mettre accroupi là au bout d'un moment par contre. Est-ce que je peux faire un truc avec celle-là? Je peux me balader là-bas. On a ouvert la caméra. Ah mais j'ai fermé la porte ici. Non! En fait, faut que j'ouvre ici. Que je me loupe pas et que j'avance au bon endroit. Et là, faut que je rallume la caméra. Peut-être que je contrôle celle-là. J'ai plus le bouton. Nickel. Ah là je l'avais. Là je l'ai plus. Ah il est bien optimisé le jeu hein. Le jeu vraiment bien optimisé. Est-ce que c'est pas une porte qui était à l'entrée que je dois réactiver? Peut-être contrôler celle-là. Faire ça. Et elle est pas ouverte. D'accord, donc c'était pas ça. Si je fais ça, ça ne s'ouvre pas. Donc, on va essayer d'en faire une autre. Si je fais... je peux rien faire avec celle-là. Avec celle-là, je ne peux rien faire. Attends, faut que je me re-TP. Je me suis pas TP sur la bonne cam. Us. Je suis perdu. Comment je... non! Attendez. Donc là, je suis là. Ok, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que j'ai loupé. Je vais me mettre accroupi par contre au bout d'un moment parce que sinon c'est vite grillé. Il n'y avait pas un autre bouton par là? Il y en a juste un là. Celui-là, si je l'active. Ah, faut que j'active celui-là pour ouvrir l'autre porte. D'accord, ok. Vas-y, tu dégages. On passe là. Attendez, mais j'étais quasiment sûr de l'avoir activé tout à l'heure ce bouton. Ah, je peux pas l'activer avec celle-là. Et avec celle-là non plus. T'as la gueule du personnage. Faut que je me ré-TP sur l'autre cam. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire qu'en fait, il y a des pubs tout le temps dans le jeu. Genre, quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Ok, nickel.
Ouais, en vrai de vrai, dès qu'il y a une coupure dans la vidéo, qu'elle soit grosse ou discrète ou pas, c'est parce qu'il y avait une pub. Genre vraiment, toutes les 50 secondes, il y a une pub. Composer le code secret. Appuyez sur le code. Quoi ? Attends, c'était quoi ? Attends, mais comment je... Là, c'est 9. 1. 9. Ah, d'accord, il y a un code couleur correspondant, ok. C'est 5. Et 4, il est en rose. Ok, accès au prochain wagon activé. Let's go. Sachant que, de ce que j'ai vu, moi, du jeu... Faut que je refasse tout le chemin, là ? Non. Non, je peux passer à travers ce mur, là, non ? Faut que je refasse tout le chemin. De ce que j'avais vu du jeu, il y a quand même pas mal de trucs en extérieur à faire. Nickel. Hop, je vais me casser. Je m'agenouille pas, on se fait repérer. Là, je suis à un stade où j'en ai plus rien à faire. Salut la caméra. The gate has opened. Ah ok, elle a ouvert là-bas. Salut la caméra, on se casse. En fait, il n'y a même pas besoin de s'embêter avec les cams. Clairement, pas besoin de s'embêter. Mais ouais, j'avais vu un truc où tu pouvais vraiment te balader, d'accord. Par contre, c'est pas du tout horreur. Hein. Le jeu était présenté comme un jeu d'horreur et tout, avec des screamers ou quoi. Même moi, c'est pas mon délire, le jeu d'horreur. Là, en vrai, tranquille, quoi. Vous voyez cette pièce, c'est un laboratoire, j'ai pas eu le temps de lire. Reconnecter l'énergie du laboratoire. Mais je vous jure que le jeu, comme il était montré... Attends, il faudrait que je vous le montre. Je vais essayer de faire ça en 2-2, là, de vous faire pop d'un coup le jeu. Hop. Nickel. Alors ça, c'était le jeu comment il était présenté, d'accord, sur l'Apple Store. Donc il y avait des photos dehors, en fait. Il y avait un peu d'intérieur, il y avait des photos de dehors. Et je me dis, tiens, ça peut être marrant comme jeu. Et bah, totalement mensonger, du coup. Hein. Merci de mettre des captures d'écran qui... Faut passer 15 heures dans le jeu pour y avoir accès. Ah, il y a une caméra, là. Une caméra. Vas-y, ouvre-moi la porte. Ok. Par contre, une fois que t'as pris le jeu en main, ça va. Oh non, encore des tiroirs. J'aurais dû commencer par ceux du bas. Je le savais. J'aurais dû commencer par ceux du bas. Je suis idiot. Voilà. La clé, elle est toujours en bas. Nickel. Métallique cabinet. On va faire ça pour voir ce que ça fait. Ah, ça va être un truc où je vais devoir deviner c'est dans quel ordre qu'il faut les mettre. Il se passe quelque chose. Comment ça, il se passe quelque chose? Comment ça? Oui, il n'y a rien dans les casiers. Ok. Robot électrique de l'usine. Avant d'accéder, vous devez en construire un sur la chaîne de montage. C'est sérieux, là? Essayez de contrôler la production d'un robot en utilisant le bon bouton à chaque étape. Plus. Moi, je ne comprends absolument pas ce que je dois faire avec cette chaîne de production là. Monter une nouvelle pièce, je vais appuyer sur plus, non? Ok, il se passe des trucs là. Je vais continuer à avancer. À retirer la pièce du robot, non? Attends, quoi? Monter une nouvelle pièce, ouais. Ok. Je peux plus. Robot terminé. Vous pouvez sélectionner quand on passe le panneau de contrôle de commande. Pas trop du contrôle de commande. C'était où? Ah, robot électrique de l'usine là-dessus. Il sort là? Là, il sort. Attends, là je l'ai fait. Ah, à mon avis, il faut que j'ouvre la porte. Veuillez placer une batterie électronique.
Batterie manquante. Ah, faut qu'avec le robot, je dois placer des batteries là, c'est ça le bail? Pareil, c'est le système, les batteries sont manquantes. Il sert à quoi ce système de piratage là? Ok, je peux pas l'enclencher ou le déclencher. Là, c'était la porte où il y avait le robot derrière? Ou celle-là? Peut-être une des deux que je dois pouvoir ouvrir. Ou pas. Ou pas, à mon avis, il fallait faire un truc avec le robot. À mon avis. Je vais essayer de changer ça, mais j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Bon, bah, toujours aucune idée de ce que je vais faire avec ce robot. Là, il y a l'atelier de. Ça, je peux le ramasser? En fait, je peux pas bouger la caméra, c'est trop chiant. Non, à mon avis, là-bas, je vais être enfermé. Je pense que le robot il est fait, tu dois passer là-dedans. Une fois que ça c'est fait. Rechercher la batterie manquante. Je peux pas prendre une batterie là, vous pouvez pas réinitialiser. Le système et les batteries sont manquantes. Ah non, regardez, il y a un truc là-bas par terre. Ah, je vais pas vous mentir que je ne prends zéro plaisir au jeu. Ok, vas-y, on a une batterie. On a une batterie. Ok, j'ai cru que le jeu avait bugué. Vas-y, on avance. Faut que du coup, je retombe dans l'autre pièce après chercher la batterie. Ok, on va la passer là. Yes, il nous en manque une. On va la chercher. Je cherche toujours où est le truc d'horreur, en fait. Parce qu'on s'est pas fait repérer par les caméras. On s'est fait repérer par absolument rien. Ok, je peux pas appuyer sur deux touches en même temps en plus pour bouger le robot. Ça fait plaisir. Hop. Ok, je crois qu'elle est devant nous là, le truc par terre, c'est ça ou... Ouais, nickel. Je croyais que c'était un pied de la table ou je sais pas trop quoi. J'allais. Ça allait nous gaver. Hop, on la prend. Yes. On va avancer. Hop. On va aller tout droit déposer la dernière batterie. Et j'espère que la porte elle s'ouvre. Parce que sinon ça va vite être chiant. Vite être relou. C'est juste me barrer de cet endroit en fait. Toutes les batteries, réinitialiser le système. Comment je réinitialise le système? Attends, là je peux rien faire. Ah, augmenter la puissance. Augmenter la puissance. Je peux augmenter la puissance partout. Yes. D'accord. Ah, c'est tout rouge. Ça s'est passé quand j'avais prévu. Ça te fait il peut encore bouger. J'espère que vous avez envie de courir. Vous voyez ce conduit en bas. Allez-y et échappez-vous. Je crois qu'il y avait écrit. Par où je passe? C'est quoi ça? C'était quoi ce truc? Ok, je vais passer par là. Et là, je peux sortir. Une plante 3, courez pour sauver votre vie. D'accord. Gauche ou droite? Gauche. Ok. Ah ouais, c'est maintenant que la partie horreur se fait dans le jeu. Gauche, on va continuer. Non, c'était pas à gauche qu'il fallait aller du coup. Je peux pas looter un truc dans les caisses là, genre une. On va reprendre à droite hein. Et après on va repasser à gauche. Plus, j'aurais pas dû mettre la caméra aussi peu sensible que ça parce que du coup c'est un enfer pour tourner. À quel point vous êtes mal hanté, ça vous aiderait, mais ce ne serait pas drôle, n'est-ce pas? Ouais, non, parce que je prends un vrai plaisir à jouer au jeu là. Ok, et là le truc me suit pas.
Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que le fait qu'il y ait des pubs toutes les 40 secondes ou 50 secondes, ça me gave, ça coupe totalement le gameplay du jeu, c'est infernal, c'est vraiment... je trouve le jeu injouable, c'est à chier, premier jeu d'horreur et peut-être dernier... Enfin, un jeu d'horreur. Le truc c'est qu'en fait c'est qualifié comme un jeu d'horreur, mais... Bah, j'ai pas compris où était la partie horreur jusque là, peut-être qu'il faut vraiment avancer, mais comme je vous l'ai dit, il y a des pubs tout le temps, et le jeu injouable, c'est un enfer. Donc bref, j'espère que l'Hebdo vous aura quand même plu, le jeu est à chier, je vous le recommande vraiment pas, mais voilà, au moins on aura été, on aura découvert ce que ça donnait. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, bye bye.